Si toi aussi tu veux le retour des carabines, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Eh bien, exactement, mes gars, pour une toute nouvelle vidéo. Où est-ce qu'aujourd'hui, notre but, ça va être de tester trois souris. Donc, nous avons une souris Microsoft. Donc, je vous mets un screen tout de suite à l'écran. C'est la moins chère. C'est la souris la plus éclataxe au monde. On va pas se le cacher. Après, on va enchaîner sur une souris qui est plutôt... qui a été offerte avec un de mes ordinateurs fixe. Et du coup, bah, on va tester celle-là. Et après, ma dernière, qui est ma souris gamer, qui est la souris Logitech que j'ai je sais plus combien. Voilà, en tout cas, vous voulez. Donc, on va commencer tout de suite par la souris qui coûte que dalle. Donc, la souris Microsoft, donc la plus éclataxe. Du coup, je vais juste la connecter. On se retrouve directement après. Les gars, du coup, là, on est parti. Donc, j'ai la souris. Elle est complètement éclatée. Hein. On va pas se le cacher. Rien quand je fais les trucs, là. Ouais, ça va être chelou. Là. Du coup, on va lancer directement une solo avec pour voir. Là, le câble, waouh, il tient pas du coup. Comme je le fais pas passer par derrière. Comparé à la Logitech où je le fais passer par derrière. Mais là, j'ai pas le temps. Donc là, ça fait vraiment une toute petite souris par rapport à l'autre. Hein. La molette est toute petite. Elle a le clic de la molette. Ok. Elle a l'air pas mal. Ça, c'est une souris, mon gars. Wow. Comparé à elle, tu vois, la Logitech, c'est plus du métal, tout ça. Elle est plus lourde, la Logitech, par rapport à celle-là, qui fait vraiment toute petite souris. On va voir, si ça se trouve, elle m'a marché autant. Hein. Je sais qu'il y en a une qui ne cliquait pas des fois, qui tirait pas. Donc, on va tester, on va voir. On va bien voir, les gars. Du coup, on se retrouve dès qu'on est au spawn. C'est pas grave si on meurt direct. On est là pour kiffer. Ok, donc déjà, il y a un mec. Ok, il y a deux. Non, je sais pas ce qu'il fait là. S'il y a deux mecs, ok, il y a deux mecs. Ils vont où? Ok, bon, je vais à la maison. Je suis tout seul. Il y a un mec pas loin. Oh, déjà, quand t'appuies. Tais-moi, quand t'appuies, t'as l'impression que t'appuies sur un tout petit truc. Il va cramer là. Oh, ma sensi, les gars. Let's go, premier kill les gars, premier kill avec. Hein. Oh, je vais mourir, je suis mort. Ah. Ouais, non les gars, cette souris elle est vraiment claquée. Du coup on passe directement à la deuxième souris les gars, je l'installe et on se retrouve dès qu'on est dans le lobby. Oh les gars, du coup là on est au lobby, du coup ça lague un peu, ouais. Ok, donc cette souris déjà, elle est plus grosse. Elle est de taille moyenne à peu près. Donc elle est plutôt pas mal celle-là encore. Avant je jouais avec celle-là. Après ça c'était au tout début, j'étais un petit bambino. C'est vrai que celle-là par contre, wow. Nous on va faire des spawns plutôt agressifs, on va aller Misty McDowell. On va essayer avec la dernière souris, on est en train de faire top 1. Ok, donc déjà mon PC, si tu bugs, on va pas aller bien loin. Ok, donc il y a plutôt pas mal. Oh, il y a pas mal de gens. On va essayer de se les faire, mon PC. Ok, c'est bon, on a une femme à ce moment. Ça lag. Ah non, ça fait bizarre. C'est pas les mêmes DPI. Je dois faire des plus gros coups de souris, c'est horrible. Oh, je suis mort. Oh, 85 dans la tête, les gars. 85 dans la tête. Hein. Non, par contre, ce souris, les gars, elle est encore pire que la première. Hein. Elle est pire que la première. Du coup, les gars, on se retrouve dans la prochaine game quand j'aurai avec ma souris personnelle. Mec, du coup, là, on est parti pour tester ma souris avec laquelle je joue. Donc, j'ai plus de DPI. Genre, quand je fais ça, bah, ça va plus vite quand je le faisais avec cette souris. Donc là, ça devrait aller. J'ai plus de shoot. Oh, on va éviter de se trouver des excuses non plus, mais... Pas des excuses, hein, mais c'est vrai. Voilà, voilà. Sinon, je suis niveau 53 pour ceux qui me demandent. Je suis niveau 53.
Du coup, on va remercier le chauffeur du bus parce que merci quand même de nous emmener. Hein. Vas-y, on va atterrir, on va rouler. Hein. On va tenter un Pleasant Park. Ok les gars, du coup là on est dans la game. Ok, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas l'air d'avoir trop de monde. On va essayer quand même de faire une bonne game parce qu'avec les autres on a fait un peu de la merde. Alors, déjà les edits c'est plus clean. Parce que la souris d'avant, les edits c'était wow, n'importe quoi. Hop. Voilà, donc je disais, voilà, donc on est tranquille. On passe sur des 60 fps. Ok, donc là on a un nouveau pistolet. Comment on est bien. Ok les gars, donc là il y a un mec collé à moi. C'est de le buter. Bon, on va pas mourir tout de suite quand même. Il me fait flipper déjà. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire brûler la maison. Ok, touché. Le nouveau pistolet. Lui, il est en train de brûler. Ah, je brûle, je brûle, je brûle. Tu sais où il est? Il est en haut. Oh le con. Oh le con. Je fais quoi? Je fais quoi? Attends. D'accord. Mais attends, il est là? Ah, crack shield! Let's go! Il est blanc, mort! Allez, là, ça retourne au lobby, les gars! Hop, ça retourne au lobby. On va juste mettre la mini pote. Ok, il y a un autre mec, j'ai entendu les gars. On va essayer d'aller le tuer le cousin. J'ai vu qu'il y avait une grosse pote. On va prendre la grosse pote. Tac. Il était pas mal chaud lui. Hein. Hop, voilà la grosse pote qui est mise. Je crois que vous l'avez vu, non, j'ai pas vu. Je sais pas où il est. J'ai fait n'importe quoi.
Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va se remettre bien niveau vie les gars. Allez en face les gars. Je suffit que j'ouvre ma gueule. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as un mec, il vient, il me rentre dedans. Bon, du coup, les gars, pour pas que la vidéo soit trop courte, on va relancer une game tout de suite. On va relancer une petite game, les gars. Mais quoi, le mec? Oh, ce qu'il m'a mis. Ah ouais, j'ai déjà lu, hein. Par contre, moi, j'ouvre ma gueule, là. Caramba. Ah. Bon, bah, ok, je ferme ma gueule. C'est tellement ça. C'est bon les gars, du coup là j'ai lancé ma deuxième game. Du coup on est parti pour la deuxième game. Là je me suis déjà pris un booster. J'attends un mec et un tiro qui est juste à côté. Là, ils se demandent peut-être pourquoi j'utilise le truc des sons. Parce qu'en fait, de base, je jouais sur mobile. Et mobile, je sais pas si vous le savez, mais on l'a. Du coup, le fait de passer sur PC, le fait de plus entendre et de se fier au son, c'était très dur pour moi. Du coup, j'ai décidé de garder le truc. Peut-être qu'un jour, je l'enlèverai, mais pas aujourd'hui. Tac. Il y a un mec qui est là. Parce qu'il vend. On va rush tout de suite. Quitte à mourir. C'est quoi le fou? Ah bon, on a compris. Wouah, il y avait un autre mec, il m'a mis une belle smile. C'est très dur. Je pense pas que c'est lui la balle de smile. Là on va la jouer tranquille les gars. Ok on va passer, on va contourner les gars. On va contourner tout simplement. Ok on lui lance une tire. Ok, il la rush, non? Oh, il la rush. C'est lui qui est là-bas, en fait. Donc, clairement, on va clairement le rush. Oh, il n'est pas là. Ok. On prend le pont. 22. Ok, on n'en a mis que 22. Ok, il y a un pont poteau ouvert. Ok, il y a un autre mec qui se ramène. Juste là. Arrête ce chien. Là, sont... Ah si j'ai un peu de bille mais pas trop. Wouah, 10 PV, ça va être chaud. Wouah, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi les gars. Du coup, on va pas aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, les gars, si vous voulez le retour des carabines, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo.